Ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous. Et bon lundi, un lundi qui commence avec un temps qui est couvert avec un peu de bruine. La brume se dissipe, la température extérieure est à 17-18 degrés, la température de l'eau est à 19 degrés, la marée est en train de finir de monter, le plein haut est à 9h15, des coefficients de 70. Sur cette fin du montant, le vent est side offshore, nord-nord-est. Il est modéré, il y a 2 à 3 beaufort, le plateau est ridé, un peu de clapot, les phases de vagues sont lisses. Et on a cette houle qui est très longue, donc vous voyez les séries, 14 secondes de période orientée. Ouest à ouest nord-ouest, bien multiplique, bien agité, bien à la hausse aussi par rapport à hier soir. Il y a ce matin là sur les séries, mais qui mettent 10 minutes à rentrer. Hein. Il y a 1m50 à 1m80. Des fois un bon 1m80, pas terrible. Hein. Ça sectionne, c'est très fermant. Ça arrive à passer un peu au large sur les grosses séries en proposant des vagues molles. Mais après, quand ça arrive au bord là, c'est plutôt en barre, creux et fermant. Les séries sont très espacées. La plupart du temps, il y a 1m20, 1m50. Et il faut attendre 10 minutes pour avoir ces séries là. Donc il y a des surfeurs qui checkent les conditions, mais il n'y a personne qui se met à l'eau parce que les vagues sont quand même très fermantes. L'évolution pour le reste de la journée, la houle va grossir d'un cran, la bouée arcachant est à la hausse, étant passée de 2 mètres et 10 secondes à minuit à 2 mètres 10 et 11 secondes maintenant. Donc à 13h, il y aura 1,50 à 2 mètres, houle ouest à ouest nord-ouest, 14 secondes de période, vent de nord nord-ouest, 3 à 4 beaufort, et à 17h, 1,50 à 2 mètres, houle ouest à ouest nord-ouest, 13 secondes de période. Vent de nord-nord-ouest 4 à 5 beaufort, même s'il n'est pas fou, le meilleur créneau, c'est ce matin. Prochain point, 11h30, à tout à l'heure, merci.